Mathieu Autier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Fakir de Mahé a réalisé une grande saison. Bah ouais, il a fait une saison remarquable. Il a été très performant. On a ébriqué un petit peu après l'été et sa course de rentrée avant scène était bonne. Il a montré qu'il était resté en pleine forme. Bon, voilà, la tâche elle va se compliquer un peu, je pense. Hein. L'autre jour, Falco Chenu pour un peu nous bat. Jean-Claude Muse, ça s'était mal passé. Donc, je pense qu'on n'a pas de marge. Mais le cheval, il arrive bien et il va être pas mal. On va dire que beaucoup de vos collègues, comme ceux que vous avez cités, vous avez quand même vu cette finale déjà depuis un petit moment. Bah oui. Au début, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, Mokanchi, pas Mokanchi. Finalement, on a opté pour la course 3 semaines avant. La préparation semble bonne. Maintenant, voilà, les autres, ils sont sûrement bien préparés aussi. Donc, il n'y a pas de marge, mais il doit être dans les 5. Pas de marge, mais le vrai Fakir de Mahé, celui qu'on a vu parfois, n'a pas grand chose à envier à certains de ses rivaux. Peut-être, je sais pas. Peut-être que vous avez raison. Dans les 5 quand même. Oui.